Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2 Vince Gang a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pour but justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos, si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien? Encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en train de descendre une de ces pentes avec mon cheval, j'espère qu'il va pas glisser. On va donc aller découvrir ce qui se cache entre guillemets en bas. Vous allez voir qu'on va y découvrir une femme dans un tonneau en fait qui est morte. C'est un truc de ouf, parce que voilà, c'est encore une nouvelle entrée dans le carnet. Je sais pas combien il y a de trucs dans le carnet à noter, mais il y en a une tonne, c'est inimaginable. Je crois qu'il doit y avoir peut-être au moins une centaine de trucs, peut-être même plus de 100, je pense, à noter. Et du coup, on va aller voir ça aujourd'hui. Ah ouais, il y avait carrément les oiseaux qui étaient en train de les bouffer, enfin de la bouffer quoi, les vautours. Normalement, je crois que c'est une femme. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une femme. Ah ouais, what the fuck? C'était quoi? C'était un tonneau de compétition qu'elle avait fait là? C'était quoi son délire? Ah ouais, d'accord, en fait c'était un sport qu'elle devait faire. Parce que regardez, le tonneau est. Il rembourrait genre dedans. Regardez, la meuf elle est là, elle est morte, mais bon. On va lui faire un sacré saut quand même. D'ailleurs, attendez, avant qu'on aille analyser le corps, il n'y a pas un moyen de trouver quelque chose d'autre là? Parce que moi quand j'ai vu ça la première fois, j'ai pensé que on l'avait poussé en fait. J'ai pensé que. Quelqu'un avait essayé de la tuer ou je sais pas, tu vois, mais en fait non, c'est ça fait aussi référence entre guillemets à l'une des missions que l'on fait, rappelez-vous, où justement il y a aussi des barjots comme ça qui on peut pas y aller là, non, on peut pas y aller, c'est dommage. Il y a deux mecs comme ça qui font des défis, qui arrêtent pas de faire des conneries comme ça, c'est deux frères je crois ou deux potes, ils arrêtent pas de s'affronter pour une fille et dans l'un des défis qu'ils font, bah, ils se jettent comme ça d'une falaise, enfin d'une chute d'eau avec un tonneau. Et donc là voilà, on peut trouver cette pauvre fille là. A priori, c'était un sport à cette époque-là. Hein. C'était un sport de, je sais pas, de jeter de tonneau dans un tonneau comme ça. Enfin, c'est vraiment abusé. Donc, qu'est-ce qu'il va nous en dire? J'ai trouvé les restes d'une pauvre folle qui essayait de descendre une chute d'eau dans un tonneau. J'ai trouvé ça intéressant, mais triste. Une vie encore plus ridicule que la mienne. Ah ouais, d'accord. Une vie encore plus ridicule que la mienne. Hop, nouvelle entrée dans le carnet, comme ça on est bien. C'est quoi, c'est... Navigatrice en tonneau. Pas mal. Et on peut pas la fouiller, genre on peut même pas la faire bouger la dame. C'est peut-être la princesse, regardez. C'était joue gauche qu'elle avait une tache, la princesse. C'est bizarre ça, regardez. Tout semble correspondre, hein. Il y a une énorme trace sur la joue gauche. Main droite, est-ce qu'il y a une tache main droite? Merde, il n'y a pas de tache main droite. Bon, c'est pas la princesse. Finalement, non, c'est pas elle. What the fuck, la meuf elle avait fait un tonneau de compétition, regardez, elle l'avait renforcé même là avec un tube en ferraille et tout. Et même autour, je crois, elle avait dedans, elle avait genre fait un autre arceau avec des. On voit mal, mais le personnage il va à tout prix monter dessus. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. À quel moment c'est un sport de faire ça? Elle a même mis un bâton en travers pour pas que le tonneau il se pète, mais bon, le cul a pété. Tout ça, ça a pété. Il est chiant le personnage à vouloir grimper sur tout. C'est dingue. Donc voilà les potes, j'espère que cette toute petite vidéo du jour vous aura plu. Je voulais vous montrer ça et je vais également aussi vous montrer le positionnement sur la map, c'est très important. On est juste là et regardez les... Ah, est pas mal. Franchement, l'image elle est cool. Parce qu'on peut voir que tu vois, il y a juste les... Cette fois-ci, c'est les pieds qui dépassent. Donc on va enlever la balise que j'avais mis pour me repérer un peu. Donc c'est juste ici, au-dessus. Donc on a Valentine qui est là, le Fort Wallace qui est juste ici et voilà, on est juste là. Clairement, on est bien. Et vous avez juste à aller ici, à vous rendre où j'étais sur la map, et comme ça vous pourrez trouver cette femme qui malheureusement est morte. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Vos avis les potes dans l'espace commentaire, n'hésitez pas vous aussi à y aller afin de compléter votre carnet comme il se doit. C'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.